C'est l'heure du goûter. Attends un peu. Les toilettes sont pleines de M&M's. C'est une mauvaise idée. Non, ne tire pas la chasse. Oh oh, ça ne va pas bien se terminer. La pièce est inondée par l'eau des toilettes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est la police? La voisine a dû signaler le bruit. Arrêtez-les, monsieur l'agent. On est désolé. Désolé, mais vous allez en prison. Oh non! La maman riche et Clary vont être emmenées! Le majordome est soulagé de s'en sortir. La prison, ça craint. Elles doivent manger cette nourriture dégoûtante. Regardez, maman riche et Clary se font enfermer aussi. Elles n'ont rien à faire dans ce genre d'espace de vie. On n'a pas envie d'être ici non plus, vous savez. Eh oh, j'arrive pas à croire qu'on reste avec ces gens pauvres. Sortez-nous d'ici! Ah, je sais. Waouh, regarde tout cet argent. C'est si facile de soudoyer ce policier. Il va vraiment les laisser partir comme ça? Attends un peu. Elles sont juste transférées dans une jolie cellule de prison. Elles en ont de la chance. C'est comme un hôtel. Parents riches contre parents pauvres. C'est qui s'immisce? C'est tellement effrayant. Désolée, je plaisantais. Tu vois, tu peux le porter comme ça. Ce n'est pas effrayant après tout. Elle aime ça. Maintenant, c'est l'heure de manger. Quel est le repas aujourd'hui? Berk, ça sent mauvais! Vraiment? Oh, je sais. Je peux te nourrir. Oups! Et qu'est-ce que c'est que ça? Charlotte ne veut pas en manger. Qu'est-ce que maman peut lui donner d'autre? Oh! Waouh, ça fait beaucoup de crème fouettée! Ça n'a pas l'air sain. Regarde, il l'a fait tomber! C'est une bonne occasion pour maman. Chut, tu dois être silencieuse! Attention ou tu pourrais te faire prendre. Je vais prendre ça. Merci. Tada! Hein? Yay! Je vais d'abord goûter. Oh oh! Il n'y en a plus! Le policier a tout mangé. Qu'est-ce que maman va faire maintenant? Attends. Je sais ce qu'il faut faire. Un bandeau? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? On dirait que Charlotte va encore manger cette nourriture dégoûtante. Je vois. Elle ne saura pas que ce n'est pas de la crème fouettée. C'est très intelligent, maman. Waouh, ça ressemble à un goûter spécial. Mais elle n'aime pas ça. Ok, je sais ce qu'il faut faire. Hein? Le majordome est ici? Tu dois nous apporter de la meilleure nourriture. Je te paie très cher pour ça. Wow, pas de problème, madame. Miam, regarde tous ces beignets. Elles peuvent vraiment finir tout ça? Mais il y a un problème. Ça ne rentre pas. Tu dois arranger ça. Oh, faisons passer ça de côté. Mais non, ils viennent renverser tous les beignets. Elles ne vont pas être contentes de ça. Qu'est-ce que je dois faire? Maman n'est pas contente et sa fille a tellement faim. Que va faire le majordome maintenant? Laisse-moi réfléchir à quelque chose. On a un bâtonnet de fruits et des beignets. Si on les mélange ensemble... Ouais! Beau travail, majordome. Ça a l'air délicieux. Ne vous inquiétez pas, les filles, votre nourriture est prête. Waouh, regarde, maman! C'est comme un snack arc-en-ciel. C'est génial. Yay! C'était un sauvetage rapide, majordome. Quelqu'un se sent un peu créatif aujourd'hui. Je pense que sa poupée veut une nouvelle coiffure. Faisons-lui une coupe de cheveux fantaisie. Mais je m'ennuie tellement. Je veux couper quelque chose d'autre. Hein? Regardez-moi ça. Le policier fait les ongles de maman. Qu'est-ce que Clary est en train de faire? Quelqu'un est en train de faire des bêtises. Je veux couper de vrais cheveux cette fois. Regarde. C'est quoi ce bruit? Oh! Qu'est-ce que t'as fait? Mes précieux cheveux sont ruinés. Je voulais juste que tu ressembles à ma poupée. Oh. Je ferais mieux de cacher mes cheveux. J'ai pas besoin d'une coupe de cheveux. Tu devrais laisser ma fille te coiffer. Pas question, jamais. Enfin, je veux dire, bien sûr, si je reçois tout cet argent. Ouais. On dirait que le salon de coiffure est ouvert au public. C'est très coloré. La prison est si ennuyeuse. Oh, qu'est-ce que c'est? Je suppose que je vais me faire une coupe de cheveux. Attends. Non. Oh oh, je pense qu'elle a trouvé une nouvelle cible. Maman est trop occupée pour le remarquer. Oh mon Dieu, c'est beaucoup de cheveux. D'où est-ce que ça vient? Tu viens de me couper les cheveux? Non! Vilaine fille! C'est mauvais.
Attends, une boîte? Des stylos de couleur? De la laine et des aiguilles à tricoter? Je sais ce qu'il faut faire! Quel joli visage de poupée! Maman va utiliser une perforeuse à papier pour faire des trous dans sa tête. Il suffit d'en percer une rangée le long du sommet de la tête. Maintenant, elle va enfiler le fil dans le trou et faire un nœud. Voilà! La poupée a des cheveux maintenant. C'est tellement créatif! Elle est si jolie! Regarde ses boucles! Charlotte, regarde! Hein? Waouh! Ma propre poupée de coiffure! Et maman en a fait d'autres! Charlotte s'entraîne à faire une belle tresse. Maman doit être si fière. Mais... elle a toujours des cheveux en moins. Peut-être qu'elle peut juste les tresser en arrière. Je peux pas croire qu'on est coincé ici. Oh, vous êtes tellement dramatique. Hein? Attention! Oh non! Vous avez failli casser la main de ma fille! Venez ici, espèce d'imprudent! Est-ce que ça va? Oh, regarde, il y a un nouveau prisonnier. Je me demande ce que ce clown a fait. Ne regarde pas cet homme effrayant, chérie. Oh, pauvre clown. Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une frite de piscine? J'ai une idée. Excusez-moi, monsieur, je peux avoir ça, s'il vous plaît? C'est pas sûr pour ma fille d'être ici. Bien, vous pouvez prendre. Ce clown est si généreux. Il n'est pas un homme effrayant, après tout. Ça, c'est suffisant. Oh mon Dieu, il y en a encore? Quelle est la profondeur de la poche de ce clown? C'est génial, c'est comme un spectacle de magie. Ok, c'est ma dernière. C'est parti, allons faire du bricolage. Maman utilise des ciseaux pour couper le milieu de la frite de piscine. C'est fait. Maintenant, elle la met sur la barre de la prison comme un protecteur. Quel coup de génie! Le policier a oublié de fermer la porte. Yay! Le protecteur a marché. Au revoir, monsieur clown. Elle ne s'est pas fait mal aux doigts. Merci à maman d'être intelligente! Attention! Oh! Quoi? Oh non, ma chérie! Mon genou fait mal! Il y a tellement de virages serrés par ici! Elle aurait pu se cogner la tête! Je devrais arranger ça! Qui maman appelle-t-elle? Wow, c'est un agent secret! Il a l'air effrayant! Ne vous inquiétez pas, je connais quelqu'un qui pourra vous aider! C'est qui cette fois? Bonjour? Ouais? Ok! Je me demande comment ces gens peuvent aider. Vous avez une livraison! Ces gens travaillent vite! C'est déjà là! Quoi? C'est le gars à la moustache? Qu'est-ce qu'il fait là? Vous êtes un constructeur? Waouh! C'est intéressant! Ce sont des cornières de protection en mousse. Mettons-les d'abord sur la table. Quel gadget pratique! Ne t'inquiète pas, maman. Détends-toi et laisse l'homme étrange faire son travail. Wow! Ce type doit être un super-héros! Encore plus de mousse protectrice. Et pour le round final... Waouh! Voici un casque comme précaution supplémentaire. Hein? Elle a même des flotteurs pour les bras. Merci, monsieur l'homme à la moustache. Ma fille est en sécurité maintenant. Au revoir! Maman est tellement soulagée maintenant. Plus de blessures à venir. Il y a tellement de chewing-gum. Le policier ne sait même pas lequel essayer en premier. Je veux celui-là! Non, je peux pas. On n'est pas autorisé à vous nourrir. Vous voyez? C'est vraiment injuste! La pauvre. Elle mérite aussi un délicieux chewing-gum. Je sais. Maman va piéger le policier. Berk, maman, tes dents sont si sales. Tu dois les brosser. Hein? Berk! Je peux avoir des dentifrices, s'il vous plaît. Tiens, assure-toi de tout utiliser. Ouais, mission réussie. Faisons notre propre chewing-gum. Comment le papier toilette va-t-il nous aider? Je suppose que tu dois en déchirer un morceau et le froisser. Puis appliquer un peu de dentifrice sur le tissu froissé. Et voilà! C'est un chewing-gum de fortune! Tiens! Hein? Allez, essaye! Peu importe! Wow, c'est délicieux! Maman mérite un high-five! Regarde ça! Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi dans ta bouche? Elle peut faire une bulle! Oh-oh! Elle devient trop grosse! Oh mon Dieu! C'est une sacrée explosion! Erk! Ah! Quelle journée relaxante en prison! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Pourquoi est-elle si triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vois! Elle n'a plus de bonbons! Qu'est-ce que maman doit faire maintenant? Ah! Je sais ce qu'il faut faire!
Il est temps d'appeler le majordome. Le majordome arrive pour sauver la situation. Waouh! C'est plein de M&M, c'est de mes jouets préférés. C'est la meilleure journée de tous les temps. Maman est heureuse de voir sa fille heureuse. C'est tellement amusant. Ouais! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des bandes de bonbons partout sur les barreaux de la prison. Waouh! Cette prison est comme un pays de bonbons. Je peux goûter? C'est bon! C'est si sucré! Je pense que maman et le majordome veulent aussi y goûter. Chérie, c'est l'heure du bain! Waouh, regarde toutes ces bulles! Hein? Je veux pas de ces bulles bon marché! Quoi? Mais j'ai travaillé si dur pour mettre tout ça en place! Qu'est-ce que maman va faire maintenant? Oh, un éventail d'argent et des bulles! Mais non! C'est une baignoire pleine d'argent! Chérie, viens ici! Est-ce que la fille va aimer ça? Voyons voir. Non, c'est toujours ennuyeux. Quoi? Je veux juste aller jouer avec mon pop-it. Un pop-it? Ah, je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que maman attend? Waouh, je crois que maman vient d'acheter tout le magasin pop-it. C'est incroyable! Ils vont remplir la baignoire avec tous ces pop-it? C'est parfait! Je me demande comment l'eau va tenir avec tout ça. C'est déjà bien! Yay! Un bain pop-it! Ma maman est la meilleure! Clary mène vraiment la meilleure vie possible, même à l'intérieur de la prison! Oups! Je crois que t'en as acheté trop. Il y en a carrément qui volent! Maman est une si grande artiste! Regarde ces jolies fleurs! Hein? Oh non! Je suppose que Charlotte n'a pas hérité des gènes artistiques de maman! Regarde tes mains! Quel désordre! Tu ferais mieux d'aller les laver maintenant! Mais Charlotte ne peut pas l'atteindre! C'est trop haut! Que doit faire maman maintenant? Le policier a des mouvements très cool! Faisons la fête! Mais regarde! Des bouteilles de détergent! Oh yeah! Il est trop occupé à danser, alors maman peut facilement se procurer ses détergents! Tada! Hein? Pourquoi a-t-elle coupé? Ah, je vois! Elle a fait un prolongateur pour que l'eau atteigne les mains de Charlotte! Faisons un essai! Viens, ma chérie, on va te laver les mains. C'est cool! C'est un hack tellement intelligent! Bye bye, la peinture sale! Tu as fait du bon travail, maman! C'est tout propre! Excellent travail! La 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 la! Hein? Maman, je dois aller aux toilettes! Il ne reste qu'un tout petit peu de papier toilette! Tu dois en utiliser juste un petit peu, d'accord? Très bien! N'oublie pas, juste un peu, d'accord? Je crois que le papier toilette vient d'être gaspillé. Qu'est-ce que t'as fait? D'où ça vient, ça? Je ferais mieux d'aller vérifier. Oh oh, c'est un désastre. Oh mon Dieu! Comment ça a pu arriver? Jeune fille, quelle quantité de papier as-tu utilisé? Ok, je vais te montrer. Ça n'a pas l'air bon. Est-ce qu'elle a l'intention d'utiliser tout le rouleau? Oh là là! Elle a vraiment tout fini! Maman est horrifiée. Oh mon... J'ai besoin d'un moment. Il faut qu'on règle ça tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait? Tiens, je vais te montrer combien de papier toilette tu peux utiliser. Je vois, maman va utiliser le ruban rouge comme marqueur. Ça devrait aider Charlotte à savoir quand déchirer le papier toilette. Bien joué! Elle l'a fait. Maman est tellement soulagée. Oh non! La tour cool vient de s'effondrer. Il semble que la fille ne soit pas satisfaite du papier toilette ordinaire. Ne t'inquiète pas, maman sait comment arranger ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois lui acheter du papier toilette spécial. Ok, je m'en occupe. Waouh, c'est du papier toilette rose. J'en veux pas. Oups. J'en sais quelque chose. Et pourquoi pas un lingot d'or? Comment ça va se passer? On dirait que le majordome sait exactement quoi faire. Je me demande quel est le plan. Oh, c'est pour moi? Bah les pattes! J'ai besoin de cette râpe. Hein? Une râpe à fromage? Il va l'utiliser sur le lingot d'or? Ça semble être une tâche difficile. Attends, j'arrive pas à croire que ça marche! Regarde tous ces morceaux d'or! Qu'est-ce qui se passe ici? Waouh, tant d'or déchiqueté! Que va-t-il faire ensuite? Je pense qu'il va mettre du ruban adhésif double face sur le papier toilette pour faire adhérer l'or. C'est trop cool! Il suffit de prendre une poignée de morceaux d'or et de les verser sur le papier toilette. Maintenant, laisse le majordome faire sa magie. Et voilà, du papier toilette en or.
Voyons si la fille va aimer ça. Il reste des morceaux d'or. Il y a tellement de désordre ici. Tenez-vous prête, le papier toilette spécial arrive. Waouh, c'est tellement étincelant. La fille est prête à utiliser les toilettes maintenant. Tu as fait du bon travail, majordome. T'es le meilleur.